So, a couple of minutes from the start, Ottawa Marathon. We're here, awesome ambience. We're particularly seeing how Julian, Marlene, and Melissa Chenard for Team Exact Nutrition are going to fare on the course today. A lot cooler than some of the doomsayers were saying, so that's good news. And getting ready for an awesome event. Je suis à l'arrivée avec Melissa Chenard. On a juste vient de quitter toute la gang coronadique dans la porte de la Confédération. Melissa, tu as couru le marathon 2h59. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. J'étais vous au kilomètre 38. J'avais l'air de digger deep là. Raconte-nous un petit peu ta course. Ouais, ben, on savait les conditions qu'il allait avoir aujourd'hui. Donc, moi, j'ai quand même décidé, vu que c'était assez frais ce matin, de m'essayer pour 2h50. Fait que je suis passée 10 km dans le temps prévu pour faire 2h50, mais j'avais déjà des jambes endommagées, j'avais un petit mal de tête, je me suis dit, bon, faut que je ralentisse. Mais j'ai quand même essayé, j'avais rien à perdre finalement, fait que j'ai ralenti vraiment beaucoup, puis c'était pas assez, il a fallu que je ralentisse à nouveau. Mais même quand on ralentit, quand on prend la décision de, mettons, laisser aller l'objectif, autant souffrant. J'ai souffert le martyr. J'ai eu un passage à vide aussi, du 20e au 29e. J'ai pleuré. Je voulais lâcher parce que j'ai pleuré parce que j'acceptais pas le fait d'abandonner, mais je voulais abandonner. Ben, je trouvais ça poche de ma part. Bref, parce que j'aurais pas bien vécu avec un abandon. Fait que je pleurais, mais je me suis ressaisie. J'ai pris des fruits 2, des fruits 3, j'en ai mangé comme jamais, j'ai mangé 4. J'ai pris des pilules de sel. Puis j'ai bu aussi des électrolytes. Bref, je me suis vraiment alimentée sans cesse parce que je voulais quand même éviter le pire, avec les crampes. Puis bon, ben. Donc, côté nutrition, tu étais contente, ça fait bien. Ben, contente, c'est sûr que faire 2,59, quand tu espérais faire quelque chose comme mieux que 2,51, c'est. Mais les conditions font en sorte que c'était pas possible, ça, je l'avais rationalisé. Puis, je l'accepte. C'est juste que, bon, c'est quand même décevant un peu comme résultat sur papier, mais j'y vais avec philosophie. Bel accomplissement, Melissa. Ben, merci. Merci beaucoup. Tu fais partie de Team Exact Nutrition pour le marathon. Ouais. On a eu beaucoup de plaisir de te suivre, beaucoup d'excitement. C'était vraiment cool. Ben, ça a été vraiment apprécié. Puis, vraiment, les fruits m'ont vraiment aidé à chaque pêche. Je n'ai mangé tout le long. J'en avais tout le temps un du dans les mains. Un fruit 3 aussi. Ça a été excellent. C'est ça. Merci de votre soutien. Je t'ai vu quelques fois, c'était vraiment très bien. Ça a fait du bien aujourd'hui. À chaque fois qu'on voit quelqu'un, on s'accaparait cette énergie-là. Merci. Bravo. J'ai marché les montées, j'ai marché quand il y avait. J'ai marché tous les points d'eau. Mais en 10 et 12 km, sérieux, là, je me demandais comment j'allais réaliser ça. Là, je me suis dit, il me reste une longue run d'attente. Oui. Puis à un moment donné, j'étais rendue au 30e km. Là, j'ai fait, il me reste juste 12 km, j'étais ça pour aller travailler le matin. Ouais, c'est ça. Mais c'est la structure de ta routine pour. La première demi, j'étais dans le plan. Le soleil a sorti, j'ai réajusté. Mais je pensais faire 4h40 le matin. Avec 4h30. Super. Mais, ça. Moi, ça, regarde. Magique! Parfait. Donc, félicitations Marlène. Merci. Équipe Exact Nutrition. Ottawa 2016. Fueled by Maple. Fuelé par la passion. Oh oui, surtout la passion. Aujourd'hui, ça m'en va venir. Coucou! Merci de son prix. J'ai vu Salut Cadeau à 45 pour 50. Comment? Fucking down the line. Hey, bonjour mon gars. Comment t'as? Moi, je suis d'ailleurs en avant. Mais écoute, il n'y avait pas grand monde devant toi. Ça veut dire de la maille. Vous voyez qu'il y a une liste de la maille, je pense, 20 minutes. C'est le deuxième grand numéro. Puis à 1m40, je suis passé devant la glace et arrêté. Je pense que c'est un peu plus de temps.